Eh dis donc Jérémy, je suis en train de bosser sur un chantier mais il fait vachement chaud, c'est normal ? Effectivement Flavie, c'est une bonne question. L'activité humaine émet beaucoup trop de gaz à effet de serre, ce qui engendre, entre autres, une augmentation de la température globale sur la planète. En France, en 2022, le secteur du BTP est responsable de 23% des émissions de GES, le gaz à effet de serre du pays. Juste derrière le secteur du transport et devant l'agriculture. Pour réduire ce taux d'émission, il faut agir partout et à tous les niveaux. À l'heure actuelle, la plupart des gros engins roulent au GNR, plus communément appelé le rouge, un gazole non routier réservé aux professionnels. Cependant, la combustion de ce gazole émet beaucoup de GES. On peut donc agir sur ce point, mais comment ? Avec du biocarburant par exemple. Celui-ci nous permettrait de réduire de 40 à 75% nos émissions de CO2. C'est un carburant produit à partir de matériaux organiques non fossiles provenant de la biomasse et qui vient en complément ou en substitution de notre fameux gazole. Par exemple, le B100 est un biocarburant compatible avec les motorisations diesel destinées aux poids lourds. Il a l'avantage de se substituer au gazole tout en restant mélangeable et réversible avec celui-ci. Et c'est pas tout, Jérémy. C'est bien beau de remplacer le carburant, mais il faut aussi pratiquer certains gestes, comme pratiquer l'éco-conduite. C'est sûr que pratiquer l'éco-conduite, c'est quand même mieux. Et qu'est-ce que c'est l'éco-conduite ? Eh bien, c'est le principe de conduire en faisant attention à sa consommation d'énergie pour préserver l'environnement. Par exemple, il faut s'assurer d'avoir bien coupé le moteur pendant les chargements. Sinon, celui-ci tourne dans le vide et consomme de l'énergie inutilement. Une fois l'opération terminée lors du démarrage, évitez les sur-régimes en démarrant en douceur. Il n'y a pas le feu aux cendres. En cas de démarrage rapide, le moteur chauffe plus pour propulser l'engin. Et plus le moteur travaille, plus il y a du dioxyde de carbone relâché dans la nature. De même, lorsque vous arrivez dans une longue ou forte descente, utilisez plutôt vos freins moteurs pour ralentir le véhicule. En plus d'économiser du carburant, cela réduira l'usure des freins. Mais dis-moi Jérémy, et l'électrique dans tout ça, on en parle beaucoup en ce moment, non ? Eh bien Flavie, c'est très pertinent. Il existe actuellement des engins électriques pour réduire sa consommation de carburant, comme cette mini pale hydraulique par exemple, ou encore la TX Bo 4, qui est la première chargeuse compacte sur chenille entièrement électrique. Alors dis-moi Flavie, t'as toutes les informations qu'il te fallait ? Ok, bah merci beaucoup Jérémy. J'en ai parlé aux collègues et on est tous ok pour s'y mettre. Mais du coup, la température, elle va redescendre dans combien de temps ? Ah, ça c'est un processus très long qui prend de nombreuses années. Mais c'est pas pour nous qu'il faut le faire, c'est pour les générations futures. C'est un peu comme le BTP, il faut avoir une vision sur le long terme.